T'es sûr que tu l'as vu rentrer là-dedans? Ouais. Ok. Bon, écoutez, les gars. On rentre là-dedans, on jette un œil vite fait, zip, zap, et on ressort. Ok? Ok, mais vraiment, hein. On rentre vite fait, zip, zap, et on ressort. Ouais, zip, zap, et on ressort. Ok? Ouais, zip, zip. Non, non, commence pas. C'est zip, zap, et on ressort. Ok? Okay? Ouais. Pardon, c'est zip, zap. Ok. Zip, zap, et on ressort. Zip, zap. Zip, zap. Vas-y, toi. Ici Greg, est-ce que vous me recevez? Je répète. Ici Greg, est-ce que vous me recevez? Je répète. Ici Greg, est-ce que vous me recevez? Je répète. Ici Greg, est-ce que vous me recevez? Je répète. Ici Greg, est-ce que vous me recevez? Je répète. Ça fait 60 000 fois que tu répètes. Laisse tomber, elle est cassée. Elle est pas cassée, la radio. C'est comment elle marche, non? Ici Greg. T'es sûr? Parce que ça fait 2 jours qu'on est coincé ici, t'as pas eu un seul signal du camp. Écoute, je sais très bien comment ça fonctionne, radio, ok? Si t'es pas content, bah on va voir si t'es plus malin que moi et que tu vas réussir. Vas-y, je t'en prie. Léo, est-ce que vous me recevez? Léo? Je reçois 5 sur 5. Mec, ça va? Les gars, vous me recevez? Ouais. Je croyais que t'étais mort avec Elliot. Mais non, on est vivant. Ça fait 2 jours que Greg il essaie de vous contacter avec cette radio. Vous le receviez pas? Hein? Non, enfin... Si, on l'entendait, mais on était pas bien sûr que c'était lui. On sait jamais si c'est un piège. Passe-moi. Ici Greg, vous m'entendez les gars? Putain, mais vous comprenez enfin pourquoi j'insistais sur le fait que chaque personne au sein du camp possède un badge avec son nom de code? Pour éviter ce genre de situation, parce que là ça fait 2 jours qu'avec les gars on est coincé ici, alors qu'on est bien vivant et qu'on est en très bonne forme, et vous êtes tranquille dans le camp. Et bah voilà, super les gars, hein, l'entraide et tout c'est génial. Vous savez ce qu'on va faire quand on va rentrer au sein du camp? Et bah on va se réunir ensemble, on va élire un délégué qui va distribuer des bons points en fonction des activités de chacun sous forme de gommettes, je sais pas, peut-être des gommettes jaunes, ça veut dire c'est très bien. Tu racontes toi n'importe quoi. Les gars, on a besoin de secours, envoyez-nous du secours des gens. C'est tout? On est à 3 jours de marche au nord du camp et à 500 mètres à l'est d'un vieux château d'eau. Et là, on est dans une sorte de vieux hangar, je sais pas. Un entrepôt, ouais. Une petite boulangerie. N'importe quoi. On est dans une sorte d'entrepôt laboratoire. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là? C'était pas votre mission? C'est exactement ce que je leur ai dit. Hein. Je sais, mais c'est Elliot, il a dit qu'il a vu une fille. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai cru voir une fille, mais ça aurait pu être une antilope. Bref, on a suivi les traces d'une fille ou de l'antilope, et résultat, on se trouve bloqué ici, on a plus de nourriture, plus d'eau, plus de munitions. Envoyez-nous des gens bien armés, parce que ça rigole pas du tout ici. Ok, bon, quand vous rentrerez avec le nouveau stock d'armes, vous enverrez une équipe bien armée. En fait, on peut pas rentrer parce qu'on est bloqué ici et on n'a pas de nouvelle arme parce qu'on a suivi les traces d'une putain d'antilope. J'ai pas confirmé non plus que c'était une antilope. Enfin, ça aurait pu être une fille. Non, mais si on m'avait écouté depuis le départ et qu'on serait parti au commissariat récupérer le stock d'armes, on serait rentré sain et sauf au camp et la mission aurait été un succès. Mais non, faut encore faire comme vous là. Putain, ça me saoule ce truc. Les gars, envoyez-nous des gens s'il vous plaît. Vous pouvez vraiment pas sortir de là où vous êtes? Non, il y a plein de croqueurs partout dans le bâtiment, c'est chaud. Bon, je vais voir ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que Chris est mort. Et il s'est fait choper par des croqueurs. Comme c'était le spécialiste des sauvetages, je vais voir avec Manu. C'est lui qui prend la relève. Lequel Manu? Deux oreilles ou Manu une oreille? Manu une oreille. Non mais n'importe quoi, il a même pas réussi à se sauver lui-même. Il a perdu une oreille, tu crois qu'il va nous sauver nous? Je t'entends pas bien, mais je t'ai entendu, fils de pute. Hé, tu me parles sur l'autre ton, toi hein. Bon, calmez-vous les gars, c'est pas le moment. Écoute Manu, c'est très gentil de ta part de nous aider, mais ce qu'on va faire, on va rassembler nos affaires et après on vous recontacte pour savoir la manœuvre à suivre, ok? Ok. Bon les gars, moi je vous le dis tout de suite, je fais pas confiance à quelqu'un qui a perdu son oreille. Du coup on fait quoi? On va sauver tout seul? La dernière fois au camp, Thomas il m'a dit de jamais suivre les conseils de Manu. Enfin, lui il l'a fait une fois et vraiment il regrette. Lequel, Thomas le retraité ou Thomas une couille? Thomas une couille. Ah ouais, c'est chaud.
Ok, je vote pour qu'on se sauve tout seul, tout de suite. Ouais, on rassemble nos affaires, on se casse d'ici. On se casse. C'est sécurisé derrière? C'est sécurisé. C'est sécurisé. C'est sécurisé devant? C'est sécurisé. C'est sécurisé. Ok, cool. C'est bien, on a une bonne progression. Grave, on forme une bonne équipe là, les gars. Ouais. Je sais pas si c'est le bon moment, mais je suis désolé de nous avoir entraînés ici. Ouais, t'inquiète. Je sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il fallait aller à gauche et que j'étais sûr de moi. Ouais. Ben en fait, avec du recul, je pense qu'il fallait aller à droite. Sérieux, toi? Pourquoi tu le dis que maintenant? Ça fait 10 minutes qu'on marche dans la mauvaise direction. Je sais, désolé, mais je voulais pas niquer la bonne ambiance. Mais t'as un sale con. J'ai envie de monter en l'air, espèce de gogol. Ben voilà, vous voyez, l'ambiance elle est niquée. T'as de la chance que j'ai plus de munitions, sinon je t'aurais tiré dessus. T'es sûr que t'as plus de munitions? Non, j'en ai plus, espèce de con. C'est dommage parce que ça aurait été bien pour ce croqueur. Quel croqueur? Danger. Qu'est-ce qu'on fait? Bougez plus. Les gars, ici Manu, vous me recevez? Ta gueule, Manu! Je vous reçois mal, mais je voulais juste vous donner quelques conseils. On s'en croit les couilles de tes conseils, ferme ta gueule! Vous voulez vous dire, surtout si vous tombez sur des croqueurs, restez bien immobile et silencieux. Ils ont du mal à se protéger si vous restez immobile et silencieux. Il arrive! Putain, les mecs, je vous garantis, je rentre pas là-dedans! Non, mais les gars, hey, on va attendre les secours ici tranquillement, c'est plus sage, ok? Ouais, bonne idée. C'est l'enfer ce truc, faut vraiment qu'on retourne au camp. Je veux retourner au camp, moi. Putain, quelle bande de fils de chien. Non, le contaminé par les radiations, ça fait rien, à part te transformer en putain de croqueur! Pour l'Amazonie, on a rien dit! Ça arrive, l'erreur est humaine! Ça arrive! Mais là, franchement, ça c'est abusé, c'est quoi ces trucs? Je sais pas, mais ça pue grave du cul cette histoire. Et vous pensez que les autres ils vont venir nous chercher? Bah là, on a plus le choix, de toute façon, sans eux, on pourra jamais quitter cet endroit maudit. Les gars, vous me recevez? Les gars, vous venez nous chercher, il fait quoi Manu? Manu, je sais pas, mais. En fait, là, j'ai besoin de savoir l'endroit où vous êtes. Est-ce qu'il est spacieux? Oui, très spacieux. Non, parce qu'on a un petit peu mal ici avec Manu, en fait. On a suivi ses conseils, on a activé une foreuse sans faire exprès. Le bruit a attiré tous les croqueurs du coin et là, ils sont en train de ravager le camp, c'est la merde. Du coup, on va vous rejoindre avec les survivants qui sont toujours vivants. C'est le mieux, je pense. Bon, écoutez, les gars. On va rester ici quelques temps. Vite fait, zip-zap, et on ressort. Ouais, zip-zap. Zip-zip. Non, c'est pas. Danger. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner tout de suite à ma chaîne si c'est pas encore fait, et lâche-moi un gros pouce bleu frais et croustillant, partage la vidéo et dites-moi dans les commentaires à quel point vous avez kiffé la vidéo, ça me motive grave, ça me donne grave de la force, donc merci à tous, et je tenais aussi à vous remercier du fond du cœur parce qu'on a officiellement atteint les 300 000 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir, la famille Carp continue de s'agrandir, merci à tous, prenez soin de vous, sinon je vous nique. Brrr.